Jamais une photo d'accouchement n'a autant suscité la controverse. Le 1er octobre dernier, jour de la naissance d'Andrea, son premier enfant avec Benjamin Sama, Maddy Burciaga se retrouvait au cœur d'une vive polémique. Ce qui lui avait été reproché, d'être un peu trop pimpante sur son tout premier cliché avec son nourrisson. Pris seulement une dizaine de minutes après l'accouchement. Teint parfait, coiffure impeccable. Point. Beaucoup ont non seulement reproché à la star de télé-réalité de donner une image erronée de la réalité, mais surtout de complexer les autres mamans. C'est le cas de Datalin People égale à 5464e 265 à 09 et B40DD 8D AC 14 à 9DB 4BF 68 Shanna Kress, qui s'apprête elle aussi à donner vie à son premier enfant. Non mais dites-moi si je me trompe ou pas, là je vais accoucher dans pas longtemps. Faut que je prépare ma trousse à maquillage, le coiffeur et tout si je dois faire une photo, a déclaré l'ex-compagne de Thibaut Garcia, provoquant la fureur de Maddy Burciaga, qu'il a tout bonnement qualifié de rageuse sur ses réseaux sociaux. En effet, la belle blonde assure qu'elle n'a eu recours à aucune retouche sur sa photo et a même dévoilé la pellicule de son téléphone pour prouver ses dires. Mais alors qu'elle continue de faire l'objet de critiques, d'autres lui apportent leur soutien. C'est le cas de Vanessa Douillet, l'épouse de l'ancien ministre des Sports David Douillet. Maman de trois enfants, deux issus d'une précédente union et Blanche, sa petite dernière avec le champion de judo. Elle sait très bien ce que c'est que de donner la vie. Ce lundi 10 octobre, elle n'a d'ailleurs pas hésité à partager une photographie d'un de ses accouchements en la comparant à celle de Maddy Burciaga. Et dire que j'ai fait ça trois fois. Simplement deux femmes qui viennent d'accoucher. Juste une plus fraîche que l'autre, a-t-elle écrit avec humour, avant d'afficher clairement son soutien envers la jeune femme. La compagne de Benjamin Sama peut être rassurée, elle peut compter sur quelques alliés.